Konnichiwa! Bienvenue à vous, honorables abonnés. Je vous souhaite une excellente accueil sur île à japonais, mangeur de poisson. Non, je rigole. Salut à tous les amis, c'est Learn to Play. J'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour un épisode de Black and White 2 au pays des Jap. Et ouais, chez les Niaks. Non, je rigole. C'est pas sympa de les appeler comme ça, donc on va les appeler les Japonais. Enfin voilà, normal. Et donc on était au tout début, voilà, on avait un petit peu avancé sur la ville, on avait fait une petite armée. Ouais, il y a combien de mecs? 25, bon, ça devrait suffire. Bon, je pense qu'on va commencer à les rameuter dans le coin là-bas. Voilà, là, ça me semble bien. Qu'est-ce qu'on a? On avait un grenier, on était en train de construire une scierie. Puis vous voyez, un groupe d'immigrants attend à la frontière que vous l'acceptiez. Ouais, je vais le faire. Hop, tiens. Welcome, my friend. Il y a 3 clampins là, enfin 4 ou 5. Ah, ils sont pas nombreux. Enfin, le problème qu'on avait, c'est qu'il nous manquait beaucoup de bois. Sachant que la forêt est là, à l'extérieur de notre zone d'influence. On ne peut donc pas attraper les arbres. Et ça fait chier en fait, puisque ça met 30 ans résultat à se récolter. Et pour agrandir notre zone d'influence, c'est juste... Oh, pourquoi il y avait un max de bois? Alors là, je viens de faire une connerie, c'est pas grave. J'aurais dû faire, voilà, les maisons qui sont là en priorité, voilà, parce que là, ça augmente bien la zone. Ah bah, j'ai plus de bois. Bah tiens, toi, au lieu de te toucher, tu vas aller, hop, ramasser le bois. Et tu vas construire la garderie, voilà, ça c'est... Oh là là, comment le courage alors. Tu vas aller construire la garderie. Attends, lâcher. Et lâche cet arbre. Tout de suite. Voilà, c'est bon. Construire. Voilà, et tant que tu n'auras pas fini de le construire, eh ben, tu resteras là, voilà. ah oui, on avait aussi le temple ici qui attendait d'être construit. Bon, on va rajouter quelques habitations. Bon, c'est pas l'endroit le plus chouette pour vivre. Voilà, on rajoute quelques maisons. Et donc, comme dans chaque épisode, enfin, je vais essayer de le faire, on essaiera de réaliser une mission. Là, il en reste, je crois, il reste 2 missions, ouais. Il y a celle-là et celle-là. Alors, je ne sais pas laquelle je vais faire en premier. Hein. On verra à la fin. On la fera vers fin d'épisode. Je pense que ça devrait le faire. Il nous demande des enfants. Bon, alors, on va accepter. Disciple reproducteur. Oh. D'accord, c'est quoi cette musique? Musique très chelou. bon. Pas grave, hein. Donc ils nous ont demandé des enfants. On va faire quelques, voilà, hop, disciple reproducteur. T'as besoin de quoi? J'ai pas entendu à cause de l'autre con qui disait disciple reproducteur. J'ai pas entendu, c'est pas grave. On va vous arroser parce qu'on est un minimum gentil, même si vous en avez pas besoin. Ah, je le fais quand même. Oh. Voilà, ça vous apprendra. Et donc, le problème étant le bois. Mais qu'est-ce que... Construis-moi ça. Commencez la construction. Allez. De la merveille de la sirène. Quoi? La merveille? Oh, ça craint, hein. La merveille. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh, il a déjà... Ah, ces il a une... Ces grecs ne devraient pas sympa être nos ennemis. Il n'y a pas de route. Mais nous devons les affronter. Ce sont les ordres des Aztèques. Ah, c'est où qui construit ça? Ah oui, c'est là. Alors là, il construit une merveille. Les merveilles permettent d'avoir des pouvoirs divins complètement épiques et complètement craqués. Sachant que celui-ci, c'est la sirène. Un groupe d'immigrants attend en bordure de votre zone d'influence. Vous pouvez les accepter ou les rejeter. Qu'est-ce... Ah bah elle... Ah non, elle rigole, j'ai cru qu'elle était en train de vomir, bon c'est pas grave. Et donc, je disais, la sirène, normalement, il devrait s'en servir. Comme ça, ça vous permettra de voir l'effet, hein, que ça fait. C'est plutôt pas mal, hein. Franchement, ils ont bien bossé là-dessus. Ici, est-ce que ça se développe? Ils ont besoin de sommeil. Vous foutez de ma gueule, là, vous foutez rien toute la journée. Ah là 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 là. Bon.
Hop, on continue. Les maisons. Toujours des maisons. En plus, ils ont une scierie toute... Ah non, elle est pas finie. Ah oui, il faut du minerai. Ah oui, alors le minerai, ça c'est le problème. Oh, regardez, c'est magnifique. Grâce au pouvoir que j'ai... donné à la... Pourquoi elle fait ces cris bizarres? D'accord. Bon, elle a fini de la construire. Ah non, même pas, elle a même pas fini. Bon, là. Plus de matières premières pour leur construction. Tu construis ça. Ah, bah, ils ont fini la scierie, voilà. Oh, on est à la limite. Peut-être c'est... Ah, dommage. Si je fais ça... Ah, non, j'ai pas pu. Des fois, il y a des bugs et on peut saisir quelques objets comme ça si on le fait assez rapidement. Comment ça, obstacle détecté? Tu te fous de ma gueule? Ah, voilà, je préfère. Alors... Des maisons à côté de la Syrie, wouh! Qui va vivre là? Bah, ma population. Eh oui, ils sont obligés. Ils ont pas le choix. Quand on est cruel, faut le faire à 100%. Sinon, c'est pas drôle et hein, on s'ennuie vite. Pourquoi elle baisse ma zone de. Un mystère. Ah oui, c'est vrai, j'ai mon temple. Alors, oui, mon temple va. Mais comment ça, obstacle détecté? Bon, voilà, hein, on va dire hop. Faudrait que je pense à rajouter des lanternes aussi pour avoir un peu de lumière rouge pour bien montrer la mon machiavélisme. Et je suis en train de remarquer que nous n'avons pas beaucoup d'adorateurs. Ah mais c'est normal, c'est parce que c'est la nuit. Ils demandent toujours des... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, et ben voilà, du minerai, ils cherchaient du minerai. Mais c'est quoi ces musiques? Eh franchement, il y a des musiques bizarres hein. On dirait des chœurs d'église. Bizarre. J'avais jamais entendu ça. Une future génération. C'est la première fois. Arrive sur cette terre. Ah bah enfin. Bon alors, la créature, comment elle se porte? On va la caresser parce que voilà quoi, elle a le moral un peu à zéro. On peut voir ça sur la jauge en bas, en haut à droite. Hop. Tu vas aller manger un kubiquette. Enfin, meu, comme elle s'appelle. Récolté. Par contre, elle court à deux à l'heure. Hein. Je sais pas si... Oh, elle est pas rapide hein. C'est pas la plus rapide des créatures. Oui je sais. Bah tiens un guerrier. Ah bah non il est quasiment fini. Ouais, il est tout... Il est tout bizarre cet arbre. Il est quasiment fini. Le plus important dans l'immédiat ce serait de finir le temple et de trouver... Tu manges. Non mange-le. Mange-le. Je suis assez heureux. Voilà, bah voilà. Je prendrai parfois du minerai. Non, tu en prendras tout le temps. On a besoin de minerai pour faire tourner l'économie. Oh là, elle fait des bruits vraiment bizarres. Very strange. Une nouvelle ville a choisi de suivre l'honorable voie de la sagesse japonaise. Pff, c'est qui ces péglants là? Ah, c'est eux. Pff. On en avait pas besoin de toute façon. Vas-y, je te les laisse. Bougra. On va essayer de... Oh. Ouais, oh ouais, normal, une famille de loups. Ici, c'est papa loup, maman loup, frère aîné loup, deuxième frère loup, et petit frère loup, et petite sœur loup. Ouais, ils marchent genre en même temps, exactement pareil. Ce genre de petit détail qui fait tout avec les fourmis géantes en dessous, tu sais. Putain, bah, c'est des herbes hautes, dis donc là. Hein. Les arbres aussi sont gigantesques comparés à... Bon, enfin, non, à la limite, ça va, l'échelle est bien... Bon, il marche assez bizarrement, mais au moins, il y a des loups. Donc, pour notre plan d'attaque, on va attaquer de plein fouet cette ligne, ici, là. Comme ça, on fera un détour par ici, on ira exploser celle qui stationne dans ce petit village qui se nomme Mido. Voilà, avec la petite musique Jap qui se déclenche. C'est bientôt le lever du jour? Ouais. Dans pas trop longtemps, ils devront reprendre le travail. Est-ce que j'ai lancé la construction d'une auberge? Alors, je sais plus. Je devrais même pas le faire hein, si j'étais. Ouais, la mais... population va apprécier de pouvoir se rendre dans cette auberge. Ouais, ouais, ouais. Faudrait déjà que j'ai assez de bois. Attendez. Là, c'est cruel. Il manque. Oh. Oh. On manque de reproducteurs. Usine immortelle. Plus on en aura, plus grandes seront nos armées. Exactement, c'est ce que je recherche. Pour pouvoir faire... Mais... Oh, mais qu'est-ce que tu me dis? Pour pouvoir faire une armée digne de ce nom, bien évidemment.
On va avoir besoin de beaucoup d'hommes. Mais ça, après, c'est dans la logique des choses. Ils viennent de prendre un nouveau village. Ah, un nouveau village. Eux rapidement exposent leur oh, c'est qui? Ah ouais, j'avais même pas vu qu'il y avait un village. Oh, canon. Oh, une mine dans les montagnes. Oh, plutôt intéressant. Il y a des chemins même pour y aller. Ici aussi. Pourquoi il y a des... Ah non. Hein? Ah, c'est des piafs, d'accord. Et ils ont même fait des piafs qui sont posés dans l'air. Bon, c'est déjà une bonne intention. Après, question finalisation. Bon, on pourrait faire mieux. Là, l'archerie, il faudrait qu'on la finisse tôt. Puisqu'on aura besoin de troupes à distance pour vaincre les Japonais. Puisqu'ils sont assez forts en combat rapproché. Peut-être un petit peu moins niveau archerie. On peut peut-être essayer de remporter de ce niveau-là. Enfin, de ce côté-là. La créature, ce serait bien que... t'ailles construire ce mur. Faudrait que t'ailles construire ce mur. Ouais, va bâtir ces remparts. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, eux, ils sont en train de pioncer. Oh, ici, on avait capturé, je m'en souviens. Ah, ils veulent une fausse torture. Ah, bah, y a qu'à demander, hein. C'est gratuit. J'accepte. Oh, les musiques japonaises maléfiques sont limite mieux que les musiques maléfiques du bien. Ah hein. Oh, oui, oh, mais je redécouvre un peu le jeu en jouant en mode maléfique. Franchement, je vous le dis, c'est très 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 plaisant. Et on voit qu'on manque de beaucoup de nourriture. Alors, ce qu'on fait, aspirateur de masse. Tac 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 tac. Voilà. Disciple fermier. Voilà. Voilà le méchant bug qui m'a tout fait foirer. Ah là là. Juste à ce moment-là, j'allais dire on essaye de pas se louper. Et puis là, je le fais. Disciple fermier. Y a un petit lac de merde. Disciple fermier. Les jetons, ils sont tous allés s'étaler. Surtout lui, il a pris très très cher. Regardez, il boite tellement. Il est blanc, on dirait un cadavre. Bon, c'est le lever du jour. Non, c'est bon. Bah, tout de suite, ils implorent la pitié, ça va, j'ai rien fait de mal. Hein. Enfin, si, techniquement, mais. Bon, on va les aider un peu, on va leur donner la nourriture, voilà. Voilà, vous voyez, moi je suis gentil, je vous offre de la nourriture. Vous pouvez m'applaudir. Hein. Hop. Voilà. On arrose les cultures, voilà, on essaie de faire des petites réserves parce que la nuit en général comme ils travaillent pas, bah, la production n'est pas assurée. Ah, 20 000 points d'offrande. Tiens, on va voir si on peut s'acheter quelque chose. 39. Alors, prison, ce serait intéressant ça pour faire l'animal. Université, bon, c'est trop bien. Les bains aussi, c'est trop bien. Atelier, ah ouais, des catapultes, ça ce serait intéressant. Ça, j'ai bien envie de faire des catapultes. On va acheter la prison. Prison et atelier. Pour l'instant, ça devrait suffire. Les cimetières. Hop. Voilà, pour l'instant, ça devrait le faire. Prison. Bah, ils veulent une prison en plus. Bah, tiens, bah, voilà, ils voulaient une prison. Et ben, je vais leur en donner une, moi, tu vas voir. Par contre, je ne peux pas la placer. Ce qui est un petit peu con, finalement, puisque je n'ai pas la place. Il nous faut du minerai. Du minerai. Alors là, je sais qu'il y avait un. Non, c'est pas ça. Voilà, le petit bloc de minerai. Hein. C'est toujours ça de prix. Ouais, il y avait pas mal de minerai en plus dans ce petit bloc. Regardez, là-dedans, si je prends ça. Ah, bah voilà, j'ai de quoi finir. Ah non, il faut du bois. Ah ouais, là, je suis couillé. Bah, il y en a là, regarde. Là. Bah voilà, on a une archerie. Et ils se plaignent de pas avoir de bois alors qu'il y en a, putain. Disciple reproducteur. Disciple reproducteur. Faut plus d'hommes là, il n'y a pas assez là. Une usine à mortel comme il dit le petit diable. Ah, j'ai failli avoir le bug. Regardez, eux ils vont. Bah, ce serait bien que j'ai un tronc d'arbre là pour faire des disciples forestiers là. Ce serait intéressant, ouais. Ouais, parce que comme ça on aurait plus de ressources niveau bois. Ah, mais j'y pense, attendez. Eh ben bah, voilà, ici j'ai des arbres, je vais m'en servir. Hop. Voilà, ça devrait suffire. Voilà. Les ressources en bois ont nettement augmenté. Qu'est-ce qui se passe? Oh.
Je vais me délecter de voir le travail de la sirène. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Oula. Ah d'accord. D'accord, en fait je croyais qu'elle était finie. Non mais en fait elle est en train de se construire. Un groupe d'immigrants attend à la frontière, voilà. Que vous l'acceptiez. Voilà, il construit sa, si sa merveille. Si les Aztèques ne nous tenaient pas sous leur coupe, nous pourrions en finir avec ce bon. Conflit. Bon, il a pété un câble. Ici on va développer la population. Ce sera toujours des guerriers. Des guerriers d'avance, hein. Voilà, de même dans cette ville là. S'ils sont sortis, ces clampins. Ouais. Ah bah tiens, il venait de finir la pose de torture. Le reproducteur. Hein, pas mal. Hey, le reproducteur qui traîne tout ça à l'auberge. Disciple reproducteur. Ça va intérêt à vous reproduire vite, donc on va commencer une première attaque. Ce serait bien qu'on fasse une attaque dans cet épisode là. Ouais, ce serait même intéressant, ouais. Ouais. Et on fera une mission d'ailleurs à... Ah, 20 000 points d'offrande. Hey, on réalise plein d'objectifs, on est à plus de 300 habitants, ouais, ça doit être ça. Dans l'idéal, ouais, c'est ça, ouais. On est à population plus 500. Non. Je sais pas exactement à combien on est, mais... Et ils demandent des champs. Ouais, c'est vrai. Mais attendez, on va voir si on peut... Ouais, voilà, eux, ils en ont pas besoin. Ils sont pas énormément, regardez. On va leur choper cette bouffe. Hop. Voilà, comme ça, c'est déjà mieux. Ah, la prison. On va pouvoir la caler. Ici. Voilà, une prison. Les contestataires, balancez-les en prison. En mode gros dictateur. Oh là là, comment j'aime ça. Totalement la réaction des dictateurs. Un contestataire. Hop. Tu vas au camp ou en prison. Ah, voilà. Une prison. C'est un peuple de criminels. Quoi? Il vient de m'insulter. Non, mais je crois qu'on s'est mal compris, très cher, là. Enfin, t'as raison dans un sens, mais bon. C'est le quartier le plus calme de la ville. Lol. Tu sais que t'es drôle, toi. Donc, on a réussi à faire le cimetière et la prison. Alors, la prison, c'est tout bête, hein, vous voyez. Ah. Vous voyez, elle. Utilisez le bâtiment. Voilà. Toi, tu vas te rendre en prison. Alors, apparemment, utiliser le bâtiment. Voilà, alors là, on peut voir qu'elle monte. Ils ouvrent les portes de l'enfer. C'est une prison. Là, ils ferment les portes. Là, je sais pas ce qui va se passer. J'ai jamais vu cette animation. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, en fait, c'est un cerf comme ça, il reste dedans. Ah, j'avais jamais vu en fait. Bon, c'est intéressant. Bon, ici, il y a du bois. On va en profiter pour se servir. Moi, je dis pas non. Là, on va construire l'auberge. Ouais, faut que tu du bois. Voilà, ça sera fait. Ça va augmenter notre. L'alcool émousse l'essence, voilà. Des bâtisseurs et des stratèges. Oh, mais toi, tu me fais chier. Mais tu sais ce que je leur dis, moi, tes vieux sages de merde, là. Hein? Est-ce que tu le sais? Non, tu le sais pas, t'es sûr? Bon, bah. Alors, arrête. Bon, on va voir si on peut faire une troupe. Construit des maisons. Je viens de planter un arbre. Ce n'était pas du tout mon intention. Parce que quand on les replante, ils poussent. Hein. Bon, vous allez me dire, c'est logique. Mais pas forcément dans les jeux vidéo, voilà. Hein. Merde. C'est pas ce que je voulais faire non plus, c'est pas grave. Mais tu vas en avoir plus de bois. Oh, ça se construit bien en final. Hein. On voit que le nombre de naissances augmente. À grands pas. Ah, j'ai plus de bois. On va essayer d'en reprendre. Ouais. De quoi faire le cimetière, ce serait drôle. Puis ça fait des bruits chelous quand on va dans le cimetière. Quand on se met à côté du cimetière. Parce qu'il nous manque réellement maintenant, c'est du minerai. Hein. C'est pas du. Alors, il y a un bâtiment exprès pour augmenter sa production de minerai, c'est la fonderie, mais je ne sais pas si... Alors, je ne sais pas si on l'a acheté. Il se pourrait... Oui, on l'a acheté. Bah tiens, on va la construire. Voilà, à côté de la prison. Ici, ouais. Dans le quartier où il y a la scierie. Voilà. La fonderie traite le minerai, et le minerai, c'est la guerre. Voilà, exactement. Exactly.
Le seul problème, est-ce qu'ils auraient du minerai? Ben oui, regarde, ils ont un peu de minerai. On va en choper ici. Voilà. Et on va finir le temple. Voilà, comme ça sera fait. 1302. Pas mal. Je ne vous de culte qu'à l'honneur. Bah ouais, c'est ça. Leur mort voilà. Désormais un endroit où reposer dans l'honneur. Mine de rien, je suis en train d'augmenter plutôt. J'ai oublié de faire un corps de garde. Résultat, cette espèce de créature de mongolienne de. Hein ainsi, voilà. C'est quoi ça à l'extérieur? Derrière des remparts. Ah là là là. Aucun problème. Je persuaderai leur peuple d'en sortir. Bon, ouais, c'est ça, ouais. Et cette espèce d'idiote, elle s'était bloquée à l'extérieur. Oh, va dormir un peu, là. T'as l'air exténué. Viens. Viens. Alors, viens là. Ah, elle peut peut-être pas y aller. Ah oui, merde. J'avais pas fait gaffe. Ah oui, merde, elle peut pas y aller. Ah oui, ça, c'est un problème, oui. Écoutez, on va voir. Attendez, est-ce que si elle peut, bah elle est teubée ou quoi? Non mais elle se fout de ma gueule. Allez, j'hallucine quoi. J'hallucine. Non mais là c'est hein, c'est se foutre de la gueule du monde. Hein. Bon, alors armée, on va faire, on va encore faire une troupe, un bataillon. Il est où le truc? Un bataillon d'hommes normaux, enfin de fantassins, et après on fera des archers. Voilà, ça devrait suffire. Et avec le reste, on va faire des archers. Voilà. Les flèches, elles font mal, mais on ne peut pas leur faire mal. Ouais, ça a du sens. Ah bah tiens, une femme qui accouche en pleine rue. Charmant. De jumeaux, en plus. Pourquoi il demande du minerai? Bah ouais, je voudrais bien vous filer du minerai, mais bon... C'est un peu chaud. Bon, en attendant que nos troupes finissent là de se préparer. Ah oui, mais c'est pour ça, ça use du minerai. On va essayer de réaliser cette mission. Alors, c'est pas dit que je la réussisse, hein. Du premier coup, bien sûr. Enfin, peut-être que. Ça, enfin, je crois que celle-là, je l'ai jamais réussi de ma vie. Hein, donc, on va l'essayer, pourquoi pas. Hein. Ça fera la mission du jour. Et puis, dans le prochain épisode, on fera l'autre. Voilà. Donc, ah mais attendez, je crois que je suis pas sûr, mais je crois que je l'ai fait. Pointage, non, je l'ai pas pris. Pointage, j'achète. Donc voilà, le pointage fait apparaître votre main dans le monde physique, quoi. En gros, c'est ma main, maintenant elle agit en fait. Si vous voulez, je peux frapper des gens avec ma main, quoi. Si vous voyez le genre, 10 000. C'est parti, je vous laisse apprécier la petite cinématique. Un vioc et un mec qui marcha deux à l'heure. Voici venu l'heure de passer ton épreuve. Wow. Il a une voix bizarre pour un vioc. Il a pas une voix de japonais en plus. Détruis ces blocs en te servant de ton chi. Oh, il est chi. Concentre-toi, mon garçon. Oh, oui, j'aime le chi. Oh, oui, j'aime le chi. J'adore le chi. Oh, il a des mains. Oh, les mains pixelisées. Oh, oui, c'est beau. Oh, il me vend du rêve. Oh oui, c'est pixelisé, c'est beau. Oh, c'est quoi ces mains, mon dieu? Oh, le pauvre. Bah ouais, bah d'accord, je comprends mieux maintenant. Oh, ça doit faire mal. Le pauvre, vous pourriez peut-être l'aider en détruisant les... Le pauvre. Ça me peine de l'admettre, mais le barbu a raison. Ah, le barbu. Tant qu'il s'agit de détruire... Tu dis pas non, hein, petit enfoiré. Bon, alors, on va devoir l'aider. Alors, vous voyez... Alors, j'ai jamais compris comment ça marchait. Hein. Alors, je vous dis, je suis complètement au hasard. Mais en tout cas, si vous voulez, je laisse appuyer. Et je secoue la souris. Voilà, et ça fait apparaître un cercle. Excellent. Non! J'avais jamais réussi de ma vie! Non! Non!
Je suis choqued à vie. C'est très bien. J'ai réussi du premier coup. J'avais jamais réussi ça de ma vie. Oh. Je l'ai fait 4 fois au moins le jeu. Oh. J'étais une merde avant. Bien joué, vous bon avez ben... gagné des points d'offrande. À quoi va-t-il pouvoir leur servir cette fonderie? D'accord, alors je ne sais absolument pas comment j'ai fait, hein. Ne me demandez pas. J'ai juste secoué la souris. À croire que j'étais complètement teubé avant. Enfin, on va rien dire. Et dès que nos hommes... Bon. On va faire une attaque et on finira là-dessus. Et ce sera bien pour un épisode, je pense. Ouais. Ils veulent de la nourriture. Ah oui, effectivement, oui. Putain, mais ils récoltent pas ou quoi? Ça descend vite la nourriture ici. Voilà. Ça leur fait un peu plus de nourriture. Histoire de faire... Ah oui, mais c'est parce que j'ai beaucoup d'armées. Ah oui, alors la nourriture, ça va être un vrai problème. Attendez. Alors ce qu'on va faire, c'est que... On va prendre toute la bouffe qui est là. Enfin, quasiment, on va en prendre... Voilà, on va en prendre une grosse partie. Hop, voilà. Ça devrait suffire, je pense. Et eux, ils ont toujours pas fini? Oh, nickel, et puis voilà, hein, il manquait un mec, on va pas attendre un pécor, hein, c'est bon. On va aller attaquer ici, donc en premier, on va essayer de déglinguer cette ligne. Ça devrait le faire, ouais. Je pense que c'est une... Bon, enfin, il y a même pas vraiment de technique, hein, c'est... Comme ça, la grosse brute, là, grosse brutasse. Le cimetière, attendez, si je fais... Utiliser... Ah ouais, non, en fait... Bah toi, tu vas servir à quelque chose. Disciple, voilà. Reproducteur. Oh, il... oh putain, il fait peur le cimetière. Oh la vache. Oh, oh, il fait peur, hein. J'aimerais pas me retrouver ici tout seul la nuit. Non, j'ai comme c'était dégueulasse. Voilà, notre ville grandit petit à petit, doucement mais sûrement. La population avec, hein. C'est toujours comme ça dans Black and White. Bon, en fait, là, pour l'instant, c'est le début. Enfin, c'est pas le début, mais ça reste encore simple. Après, ce sera un peu plus dur. Puis, en plus, on changera d'environnement, de carte. Ce sera pas la même chose. C'est bon. Ok, alors, let's go. To the battle. Il va y avoir du sang. À l'attaque. On envoie tout le monde. Pourquoi il bouge? Genre, ils ont deviné que... Oh! Oh, oh! Oh, elle est où? Elle est où? Elle est où? Attendez, elle est où? Là! Let's go! Let's go! À l'attaque! Ah! C'est la grosse baston! J'arrive pas! Ah! J'arrive pas à enlever ce drapeau de merde! Bon bah tant pis, écoutez, je le garde à la main. Bon alors, ils nous ont explosé ici. Mais bon, nous, on riposte en... Ah bah voilà. On riposte en l'air, ça va. J'ai pris 3 niveaux. Mais dis donc. Ma créature va venir. Enfin, un jour, j'ai... Oh là. Oui, augmenter le nombre des troupes. Oh là là. Ouais, bon, par contre, ça va être un peu une défaite, là. Enfin, je vais ramener ma créature qui va finir le boulot. Ma créature va finir le boulot si elle arrive. Mort. Si elle arrive un jour, je dis bien. Bon, on aura dépensé toutes nos troupes là-dedans. Ouais, mort. On va refaire tout de suite. Voilà. Eh, il résiste, mine de rien. Oh là là, c'est jonché de cadavres. Tu peux voir. Il y a des mecs qui volent de partout, ils sautent, ils sont encore vivants. Et ma créature arrive. Ah bah voilà, pile au moment, ils sont tous morts. À l'attaque, Biquette. Par contre, j'espère qu'elle va pas mourir. Notre créature nous aidera à remporter cette bataille.
Oh oui, elle est meurtrière, elle est meurtrière. Oh oui, le pouvoir électrique. Oh là là, ça les a bien amochés. Par contre, elle prend très cher. Ouais, mais regardez ce qu'elle fait, quoi. Ah, ça fait bouger tous les cadavres. Regardez le nombre de cadavres. Il y a partout, il y a des japonais, il y a des grecs, il y a des... C'est jonché de cadavres. Par contre, elle va bientôt mourir, alors faut faire attention. Ah oui, électricité, bon, ça va. Ça les a achevés. Voilà. Oh putain, faire gaffe, elle perd de la vie. Ah bah voilà, plus qu'un, y'en a plus qu'un. Plus qu'un, vas-y. Y'en avait plus qu'un. Voilà, y'a plus personne. Regardez-moi l'état de cadavre. Bon, on va se laisser là-dessus. C'est beau. Ah bah tiens, bah. Vas-y, régale-toi. Bah, calme-toi, ils sont déjà tous morts. Regardez-moi ce tas de... Oh là là, c'était une bataille sévère. Elle a bien combattu, ma créature. Vas-y, mange le cadavre, vas-y, régale-toi. J'ai très peur, mais non. Bon, on les a bien amochés, là, niveau soldat. Hop. C'est parfait, tu es la meilleure. Voilà. Hop, tu vas pouvoir rentrer au bercail. Et donc, on va pouvoir se laisser là-dessus. Ouais. Je pense qu'on aura fait pas mal de choses dans cet épisode, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Laissez un petit j'aime, un commentaire comme d'habitude. Et puis on se retrouve pour le prochain épisode de Black and White 2. Voilà, on va quitter comme ça, voilà, magnifique. Et donc, on se retrouve la prochaine fois. Allez, salut à tous, portez-vous bien.